Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe de la balance, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Balance, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Balance. Les enfants qui s'amusent au parc. On commence comme ça, avec les enfants au parc. Balance, signe d'air, les enfants. Sans mots. Rien à dire. Jouons, les enfants jouent. Les enfants s'amusent. C'est léger. Continuons. Balance, signe d'air. Quel est le message pour toi? Intuition. On écoute notre intuition. On est invité à l'écouter, en tout cas. À faire preuve de clairvoyance, discernement, écouter son ressenti, se tourner vers notre cœur, intuition. On observe, on écoute, on n'en parle pas. Continuons, balance. On écoute notre intuition. Succès triomphal, l'épée, détermination, courage. On va voir quel sens qu'elle va. Est-ce qu'elle va dans le sens des luttes, des combats? Ou si on nous parle d'un nouveau défi que l'on souhaite relever, un nouveau défi. Balance, signe d'air, fin des retards, mouvement accéléré, envol. Balance, signe d'air, nouvel amour. Nouveau projet qui nous stimule, qui éveille beaucoup de joie à l'intérieur de soi, beaucoup d'émotions. Ensemble, on attend avec la carte de l'intuition. Conflit mental, incapacité d'agir, anxiété, préoccupé. On attend. On attend en votre jeu. Balance, signe d'air. Avec l'intuition aussi, on attend patiemment. Donc, on nous parle d'un nouveau défi, mais il y a anxiété. On dirait que l'on souhaite ici prendre action rapidement. C'est la carte qui me dit qu'un nouvel amour me fait signe, ou bien c'est un nouveau projet qui me stimule. Ici, cœur d'enfant. Cœur d'enfant. Fin des retards ici. Bon, je pense qu'on nous parle d'un nouveau défi excitant, ensemble, que l'on souhaite relever. Mais il y a incapacité d'agir ici, conflit mental, on va la clarifier, pour le signe de la balance. Ici, c'est comme si on nous encourageait en nous disant, c'est comme si, pour dépasser la peur, notre anxiété que l'on rencontre avec la carte conflit mental, c'est comme si on nous encourageait à jouer. Le sens du jeu. Voir ça comme amener une notion de jeu là-dedans, de légèreté. Mais je vais quand même la clarifier. Conflit mental pour le signe de la balance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe de la balance avec conflit mental? Lumière. Mise en lumière. Ouvrir les yeux. Chercher une solution.
carte de la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on nous parle de la fin ici d'un conflit mental? C'est très possible. La fin d'une agitation. Ici, les enfants sont au présent. Les enfants sont au présent. Ils s'amusent au présent. Lumière. Conflit mental. Lumière sur le conflit. Balance. J'ai l'impression qu'on sort d'un conflit. C'est la fin, on dirait, de nos préoccupations. Il y a mise en lumière. Il y a mise en lumière. On ne joue plus à l'autruche. On ne se cache plus la vérité. On n'a plus besoin de cacher la vérité. J'ai l'impression d'arriver au présent. Quand je regarde la carte des enfants qui s'amusent, énergie du présent. Calme. Calme intérieur. Écoute, on est connecté ici à nos ressentis. On est en présence ici. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un nouveau défi que l'on souhaite relever. C'est en lien soit avec un nouvel amour, nouvelle relation, ou si, possiblement, qu'on peut partager un projet là, ici en commun qui nous stimule, qui éveille la joie à l'intérieur de soi. On est bien avec la carte du nouvel amour, en accord, en accord. Je vais vérifier la carte de l'intuition pour le signe de la balance. Moi, j'ai l'impression de ressentir une forme d'alignement. L'intuition pour le signe de la balance, c'est comme si je me déposais. Je me sens au calme, à l'écoute. Intuition, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la balance à la maison? Je suis rentrée chez moi. Je suis à la maison. Retour à la maison. Connexion avec soi. Au présent. Donc, c'est la fin, d'après moi, ici, des soucis. Fin du conflit mental. Fin des inquiétudes. Il y a mise en lumière. On est en contact avec notre propre vérité. Et il y a aussi l'idée de relever un nouveau défi. C'est la fin des retards. D'après moi, ça va se faire rapidement avec la carte mouvement accéléré. Énergie d'une relation. Un nouvel amour qui nous fait signe. Ensemble, coopération, alliance. Les émotions circulent bien entre nous. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ici, on est en présence des enfants qui s'amusent. Au présent. Au présent. C'est ce que je rencontre ici. La fin de l'agitation mentale, la fin des soucis, des inquiétudes, le retour au présent. Et le sens du jeu. Les enfants jouent au présent. Oui, lumière au bout du tunnel, fin des conflits, fin de l'agitation. Retour au calme à la maison. On peut se déposer. Nouvel amour, nouveau projet de cœur. Nouvel amour qui nous fait signe. Alors voilà, signe de la balance. Retour à la maison, retour chez soi. Connecté. Au présent. Calme mental. Alors voilà, signe de la balance. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir. Bonne journée.